De COVID-pandemie zorgde in 2020 voor heel wat vertraging binnen de duivensport. Toch blikt de KBDB terug op een succesvol seizoen. De verschillende duivenlokalen deden er dan ook alles aan om de inkorvingen en de wedstrijden op een coronaveilige manier te laten verlopen. Tot grote tevredenheid van Dennis Sapin, nationaal voorzitter van het sportcomité. En grand fond 2020, nous avons logé 36 500 pigeons pour un bonus de 1 300 pigeons vis-à-vis de 2019. En fond, nous avons logé 85 700 pigeons avec un bonus de 10 700 pigeons en plus de 2019. En grand demi-fond, nous avons logé 248 000 pigeons avec un bonus de 10 600 pigeons vis-à-vis de 2019 toujours. Et en grand demi-fond, pigeonneaux, nous avons logé 87 900 pigeons avec une perte de 4 900 pigeons. Mais il ne faut pas oublier que nous avons eu la canicule sur Bourges qui a été retardée et un Argenton qui a été annulé à cause du mauvais temps. Donc encore des chiffres très positifs. In totaal werden maar liefst 450.000 duiven ingekorfd voor de nationale en internationale wedstrijden. Dat zijn er 17.700 meer dan vorig seizoen, terwijl er 3 wedstrijden minder waren. Voor het komend competitieseizoen maakte de Duivenbond alvast een duidelijke kalender op. En grand demi-fond, il y aura 4 fois 2 concours avec une semaine entre les doublés. Ouverture traditionnelle avec le Bourges, le chapeau de Bourges, suivi d'un Châteauroux, un Argenton, la Souterraine, un Issoudun, un Guéret, un Bourges et un Châteauroux. Tout le monde aura la possibilité de mettre sa colonie en route en préparant la saison nationale. 5 week-ends en mai et ouverture de la saison nationale le 29 mai. En grand demi-fond pour les pigeonneaux, sur la demande du bien-être animal du ministère, donc 4 concours tous les 15 jours, avec un Bourges traditionnel, un Argenton, un La Souterraine et un Châteauroux. En fond, nous allons commencer avec le Limoges, comme d'habitude, un Valence, un Brief, un Montélimar, un Limoges, plus Yarling, Cahors, un Périgueux, Yarling, un Tulle, Yarling, un Souillac, Yarling, sur la demande du bien-être animal, toujours revenu sur 4 concours de fond pour les Yarling. Et en grand fond, les 7 concours internationaux traditionnels. 2 concours de grand fond avec Yarling, Agen plus Yarling et un Pau, Barcelone, Saint-Vincent, Marseille, Narbonne, Yarling et un Perpignan. Du 22 mai jusqu'au 4 septembre, il y aura 6 week-ends libres pour organiser des concours interprovinciaux ou provinciaux, comme se font dans les années antécédentes. Les amateurs qui jouent la ligne du Rhône ont leur programme comme d'habitude, le Valence, le Montélimar et le Marseille. La RFCB fera le nécessaire de trouver les meilleurs lieux de lâcher sur Châteauroux et Argenton. Vous savez que nous sommes confrontés à un problème sur Châteauroux et Argenton avec la masse de pigeons. Et le lieu de lâcher est un peu petit pour la masse de pigeons. Donc nous sommes en train de travailler avec la Fédération française pour essayer de trouver un espace plus propice pour pouvoir lâcher nos pigeons. De vluchten volgen grotendeels de traditie. Toch zijn er dit jaar ook een paar nieuwigheden. Mis un programme sur plan que tous les championnats depuis la vitesse et le demi-fond, tous les concours nationaux se feront calcul automatiquement par la RFCB. Ça, c'est une nouveauté. En plus, nous avons eu notre assemblée générale vendredi. Il a été décidé que nous avons procuré des nouvelles zones. Donc, les zones ont été retravaillées par rapport aux années antécédentes. Nous allons travailler maintenant avec 8 zones en grand demi-fond. Donc, ce sont des couloirs, si on veut, maintenant. Parce que nous avons pu voir dans les années qui étaient passées que plus larges étaient les zones, plus l'avantage était dominant par le vent. Maintenant, nous allons travailler par zones beaucoup plus étroites. Donc, on pourrait appeler ça des secteurs de profondeur. Et ça a été approuvé à la majorité en notre assemblée générale. Donc, je crois que tout le monde va s'en tirer, je veux dire, à mon compte. Il y aura toujours des gens qui sont, allez, aujourd'hui bien placés, demain un peu moins bien placés, mais je pense que c'est l'avenir hein, de ce qu'on a pu faire. Et en fond, les zones ont été aussi remodelées
par rapport aux zones de grand demi-fond. Donc les zones resteront de 5, mais un petit peu remodelées par rapport à ce qu'il y avait avant. Donc pour, on veut avoir une neutralité pour tout le monde. Hein, on n'a pas travaillé à la tête du client. Ce sont des lignes qui ont été tracées par un professeur à l'université de Gand. Donc quelqu'un de tout à fait neutre. Ça, c'était notre but, d'avoir une neutralité, une transparence pour tout le monde. Een duidelijke boodschap vanuit de KBDB. Want het is niet altijd eenvoudig om voor iedere speler een gelijk speelveld te creëren. Maar uiteindelijk zijn het toch de duiven zelf die de competitie maken.